Abonne-toi à MySports. Attention, là, il y a un 2 contre 1, 3 contre 1 avec Tom Ernest qui arrive. On a envoyé un homme du banc et c'est goal. 1-0 entre les jambes du gardien Tim Bouwman. C'est Pouliot qui ouvre le score après 5 minutes de jeu. Genève a brisé le verrou. 11e but de la saison pour le joueur arrivé de Bienne. 1-0 dans un début de match complètement dominé par les hommes de Yann Cadieux. C'est Moy hein, qui obtiendra une mention d'assistance sur cette ouverture du score. Vous le voyez, le puck qui a frappé les deux jambes des autres patinoires. Et goal ! Un partout, juste après cette énorme occasion pour Pouliot. Et Langnau qui fait lever son public. 9e minute, Oskar Snapinskis, premier but pour lui en National League cette saison. Un partout. On revoit, c'est Rohrbach, un lancé. Beaucoup de place hein, pour le Letton à licence suisse. Et Desclous ne voit pas arriver ce puck. Aucune chance pour le gardien, le jeune voix. Depuis, Bertrand a un œil hein, sur le numéro 77 qui est parti au vestiaire. Winnick et goal. 2-1. Est-ce que ce puck a été touché par Vermine peut-être? On va voir. 12e minute, 2-1 pour Genève Servette. On vous montre Daniel Winnick. On va patienter un peu pour être persuadé. C'est en tout cas à lui qu'est donné cette réussite. Jacques May, Winnick, et puis un lancé avec du trafic devant le gardien. Est-ce que Phil Poula touche ce palais? Oui, c'est donc Phil Poula qui marque. Le Finlandais aussi. Et là, quand ça compte en cette fin de saison, très souvent sur la fiche de score, Winnick et Jacques May auront les deux assists sur cette réussite de la 12e minute. Et on revoit Winnick qui prend l'information et envoie ce puck à destination de Phil Poula pour la déviation. Rien à faire pour Tim Bouwman. Phil Poula encore. Et but. 3-1. Il y a Winnick qui a fait un superbe travail d'emmener les défenseurs avec lui. Et Phil Poula, des centaines de matchs de NHL face à un gardien qui vient des Junior Elite. Ben, il y a rarement autre chose qu'un but au terme de cette action. 14e minute. Genève prend deux longueurs d'avance et c'est un doublé pour le Finlandais Phil Poulin. Vatanen et Winnick seront à la passe. Regardez le travail de Winnick là qui va aller faire de la place pour son coéquipier. Phil Poulin ne laisse aucune chance à Tim Bouwman. Et il y a un homme qui va aller s'asseoir sur le banc. Il me semble que c'est Pesonen pour comptoir ici, étant donné que les autres prétendants à cette sixième place, que sont Davos, Bienne et Lausanne, sont tous égaux. Oh là là, quelle erreur dans la défense de Langnau. C'est Tyler Moy qui marque. On l'a laissé faire. Et Moy peut pousser ce puck au fond pour le 4-1. On joue la 27e minute. Une petite incompréhension dans la défense emmentaloise. On va revoir Blazer. Schmutz, il se fonce dedans. Ce puck qui arrive, on n'arrive pas à le dégager. Finalement, Moy arrive à avoir un petit bout du caoutchouc. Ça doit même encore frapper le patin. Oui, c'est ça, ça frappe le patin de Guggenheim. Quelle surprise même pour Tyler Moy. 4-1 qui a embarqué. Le voici, le top scorer. Oh super ce qu'a fait Tyler Moy. Oh là là, on savait qu'il avait des mains l'américain, mais alors là
C'est tout un but que le numéro 95 a inscrit et c'est son deuxième. Lui qui avait inscrit le 4-1, il a inscrit également le 5-1 dans un registre alors technique magistral. On revoit, il passe entre les deux défenseurs, puis ensuite mystifie Tim Baumann. Tout ça à la 36e minute. 5-1. Ouais, depuis cet angle également, magnifique là. Et c'est même 6-1, triplé pour Tyler Moy en très peu de secondes, en très peu de minutes. On joue encore la 36e et Moy marque sur une déviation subtile le 6-1 alors qu'il reste 16 secondes de pénalité aux deux hommes qui s'étaient battus tout à l'heure. On va revoir le lancer de la ligne bleue et puis cette déviation. C'est Pouliot qui a envoyé ce puck pour la déviation. Et Carrère obtiendra le deuxième assist, lui qui avait trouvé la crosse du... Vatanen et goal. Je ne sais pas s'il y a eu un rebond ou si ce but va être crédité aux Finlandais, mais en tout cas c'est 7-1. Et c'est le premier but en power play ce soir pour Genève Servette. Alors, est-ce qu'on va le créditer à Phil Poulin? Ce serait son troisième de la soirée ou à Sami Vatanen. Tout le monde regarde l'arbitre, le juge de ligne. On va voir on va revoir le lancer de Vatanen. Ouais, ce sera Vatanen. Ce puck est déjà passé à travers Louis Courte. Ouais, il est déjà derrière la ligne et l'arbitre fait déjà le geste. On va revoir encore avec la caméra placée par-dessus le gardien. Voilà, il a passé cette ligne, il touche la deuxième ligne, donc il est déjà dedans. C'est bien Sami Vatanen là, de Genève Servette, le lancer, la déviation et c'est 8-1. Deuxième but de la saison pour Elliot Berton. 53e minute. Berton qui marque ce soir également. Le Coultre met aussi son nom sur l'affiche, on le voit, se lancer. Et la déviation du centre du quatrième bloc genevois passe devant Eschbach au dernier moment. On n'attendait pas vraiment autre succès. On ne va peut-être même pas arriver à 30 tirs. Encore un but. Et cette fois, c'est Mike Fulmin, un des Genevois qui n'avait pas encore marqué cette saison. Premier but pour Mike Fulmin. Sur une déviation. Tout sourire, là, l'Américain. Qui a fait cette passe? Alors là, Fulmin, c'est lui qui sort ce puck. Vermin et c'est Tanner Richard qui aura l'assist numéro 1. Hérode. Hey,